que ça. Vous êtes qui? Regarde, elle bouge. Oh, non. Elle a compris qu'on était en train de l'observer. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça, mais... Il y a encore quelqu'un qui frappe. T'entends? Ouais. Bon, salut à tous ses amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, pas vraiment, il est 3h du matin. Il est 3h du matin quand on fait la vidéo. Je suis un peu nerveux parce que là ça fait à peu près 10 minutes que quelqu'un frappe à la porte. Ouais. Ah oui, ça t'a réveillé aussi? Bah oui, je dormais bien, mais il est 3h du matin, il y a qui? 3h du matin comme ça. Et là, il frappe, au début il sonnait, il se contentait de sonner, sauf que là ça frappe carrément à la porte. Oui, on va ouvrir. Attends, mets-toi là. Je ne pas tout de suite. Attends, mets-toi dans le coin là-bas. Ok. Et si il me saute dessus, t'interviens et tu le fais partir. D'accord. Bon les amis, on va ouvrir ensemble, c'est pour ça que j'ai voulu démarrer une vidéo. Allez, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Vous êtes qui? C'est vous qui frappez à notre porte là? Hé! Vous êtes qui? Valentin, il part! Attends, il part! Oh, non, c'est qui? Je sais pas, mais j'ai peur de lui! On ferme la porte! Ferme! Attends, mais il est déjà parti! Les amis, c'est volatilisé! On le voit même plus! Attends, il y a quelqu'un? Fais attention, Esteban! Il y a quelqu'un? Non, les amis, il est parti! Ça y est, il est parti dans la nature là! Esteban! Qu'est-ce que c'est? Ouais, vas-y, je reviens! Attendez! Les amis, on va fermer la porte à clé. Il voulait te piéger. Oh, non, mais il y a pas de piège. Là, il voulait juste déposer un collier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que t'as commandé? Attendez, les amis, déjà, on va allumer la lumière. Hop, on va fermer à clé ici. Bon, vas-y, on va monter ça. D'accord. On monte ça dans la chambre de Lily Rose. On va lui montrer ce qui se passe là. Ah oui, parce que là, toute la maison est réveillée depuis 10 minutes, un quart d'heure là. On s'est réveillé en sursaut. On a eu tellement peur de ce qui est en train de se passer que tout le monde s'est réveillé. Même Peppa Pig qui n'osait pas venir ouvrir la porte. Bon, allez, dépêche-toi. On est peut-être fous de prendre le colis, mais bon. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Lily Rose. Lily? Ben, elle est où? Lily Rose? On sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Arty, tu penses? Elle a eu trop peur? Bah, ça tombe, elle a eu peur, elle s'est cachée. Ah, ça doit être ça. En vrai, je comprendrais un peu. Lily, c'est bon. Il est parti. Enfin, il est parti. On sait pas où il est parti, mais il est parti en tout cas. Peppa Pink! Ah, il est là. Oh, au moins, Peppa Pink est resté. Viens ici! C'est bon, on sait ce qui s'est passé. Bon, écoutez, les amis. Ah ouais, t'es là? Ah oui, ouais, il y a quelqu'un tout en noir avec un masque blanc. C'est ça le bruit que j'ai entendu? Ouais, c'était lui devant la porte. Et il est même pas rentré dans la maison, il a juste déposé un colis. Comment ça? Regarde, il est énorme. Un colis comme ça. Vas-y, attends. Mais c'est bizarre. Il y a des trucs écrits dessus. Qu'est-ce qu'il y a? 09. Et attends, c'est quoi ça? Regardez. Tu l'as pris, il fallait pas le prendre, Esteban. C'est quoi ça? Pourquoi regarde, c'est des autocollants Pink Lily. C'est la tête de Lily Rose dessus. Bah oui, c'est nos autocollants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, tu l'as pas ouvert. Écoutez, les amis, je comprends rien à ce qui est en train de se passer. On va ouvrir le collier, mais ce qui est bizarre, c'est que regardez. Il tient même pas avec du scotch. Il est déjà ouvert. Et en plus, c'est quoi? C'est un colis pour une machine de sport. Montre l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la personne qui te l'a dit? Ah non, mais rien. C'était un inconnu masqué. Vraiment, j'ai aucune Comment idée de qui c'était. Un inconnu masqué. On voyait pas son visage. Et dès qu'il a déposé le colis, il est parti en courant. Attends, vas-y. Vous avez ouvert, mais vous êtes pas. Ouais, bah, je sais pas. J'ai un peu peur. 3, 2, 1. Voilà. La lumière. Oula. C'est toi qui éteins la lumière? Bah non, c'est pas moi, Esteban. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Ça marche pas. Attends, je la reconnais! Attends, je la reconnais! Peppa Pink! C'est la poupée hantée! C'est la poupée maudite! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, Valentin, c'est toi qui l'as commandé? Mais non, c'est pas moi! Je suis sûr, c'est toi de façon! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, les amis, on va allumer une autre lumière! Parce que visiblement, la lumière de la chambre marche plus! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, pour ceux qui la connaissent pas, on a déjà fait plein de vidéos sur elle. Pour ceux qui connaissent notre chaîne depuis un moment maintenant, vous savez très bien qui c'est. Et... Oh, on pensait qu'on s'en était débarrassé, mais... Non, moi, je la remballe. Ouais, non, retour chez l'expéditeur. Non, c'est bon, j'ai allumé la lumière. C'est bon, on s'en va maintenant. Ouais, vas-y. Elle reste pas ici. On va pas trop. Non. Et on sait jamais. Écoute, tu te rappelles la dernière fois? On va la reposer devant la maison, ok? Ouais, enfin... mais la dernière fois, elle nous... Ah non, la lumière, elle bouge en plus. Oula. Bon, remettez-la dans le carton. D'accord. Non, c'est toi qui le mets. Hein. Non, remettez-la, mais je m'en fiche de la tenir. On la remet dans le carton. Allez, hop, et on la remet dehors. Allez, vas-y. Tiens, Valentin, fais-le. Fermez le carton. Hop. Fermez le carton. On la remet dehors. Allez, je veux plus en entendre parler. Allez. Vas-y, allez la remettre devant la maison.
Et surtout, faites attention à ce qu'elle sorte pas. Bon. Les amis, pour ceux qui savent pas qui c'est cette poupée maudite, c'est que vous avez raté beaucoup de vidéos. Il y a 3-4 mois, on en a beaucoup parlé. En fait, c'est une poupée. Je sais même plus comment on l'a eu à la base. Je pense qu'on l'a acheté dans une braderie, on l'a acheté dans un vide-grenier. Donc c'est des vieilles personnes qui vendaient ça. Ils voulaient s'en débarrasser parce qu'apparemment elle traînait dans leur maison depuis longtemps. C'est bon, je l'ai mis dehors. Et on l'a ramené chez nous, et depuis qu'on l'a ramené chez nous, il s'est passé plein de trucs. Pendant 2 semaines, on a vécu un enfer. Il y a des lumières qui s'allumaient toutes seules, les ampoules qui claquaient, les lumières qui fonctionnaient plus. Et à chaque fois, on essayait de s'en débarrasser. On se disait, non, cette poupée, elle est maudite. Il faut qu'on s'en débarrasse. On l'a amenée dans la forêt. On l'a amenée dans la déchetterie. Rien n'y faisait. À chaque fois, elle revenait chez nous. Quoi ? T'as fermé à double tour, Valentin ? Ouais. Ouais, non, mais là, j'espère que vous avez fermé. Moyen qu'elle puisse rentrer. J'espère que vous avez fermé la porte. Ah, c'est sûr, j'ai même mis du stress. Elle est là. Elle est revenue. C'est elle ou pas? Ça, c'est pas possible. Valentin, tu t'as bien fermé le papier. Mais oui, c'est avec moi en plus. On a fermé à clé. C'est bien elle. Oh, non. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ça va recommencer. On n'arrivera plus à s'en débarrasser. On va vérifier. Ah, mais c'est sûr que le masque blanc qui nous l'a ramené, c'est pour nous maudire. C'est parce que la dernière fois qu'on s'en est débarrassé, on avait réussi à la jeter à la poubelle. On l'avait découpé en plusieurs morceaux. La porte elle a claqué. Mais elle se retourne vers moi. Oh non, qu'est-ce que tu veux? Bon, écoutez, il faut qu'on retrouve la personne qui nous l'a ramené. Il faut qu'on... Elle avance. Elle se rapproche. Non. C'est quoi ce son? À chaque fois elle bouge les lumières en plus. Pire en pire. Bon, écoutez, il faut qu'on retrouve une solution pour s'en débarrasser. Donc la dernière fois, comme je vous expliquais, on l'avait découpé en plusieurs morceaux. On avait mis un morceau dans une forêt, l'autre à la déchetterie, l'autre on l'avait amené carrément dans un autre pays. On l'avait amené en Belgique. Enfin, bref. Tu vois que ça marche pas maintenant. Ouais, non, mais là il y a quelqu'un qui nous l'a ramené. Ça veut dire que elle a des complices. Non, elle a des complices. Elle a des gens qui travaillent pour elle et qui la ramènent chez des familles pour les hanter. Elle est passée où? Mais elle est là. Hein. Excusez-moi. Comment t'as fait pour pas la voir? Excusez-moi. Je pense que on va la laisser dans cette chambre. Voilà. On va mettre une caméra de surveillance. Ça tombe bien, il y en a une ici. On va mettre une caméra de surveillance à proximité. Comme ça, on va pouvoir la surveiller. Hop, on va mettre une caméra ici, les amis. Et Dépêche-toi, Esteban. Oui, je pars. En plus, la lumière, elle change de couleur dès qu'on la regarde dans les yeux. Hop. Bon, je vais prévenir Lily Rose que sa chambre est condamnée. C'est bon, elle est... ferme à clé, on n'y va pas. Je vais pouvoir regarder avec mon téléphone ce qu'il y a sur la caméra de surveillance. Et si elle bouge, je vous montrerai tout ça. Mais là, on ne la touche pas, on ne la regarde pas dans les yeux surtout. Ok? Ouais, d'accord. Ça frappe à la porte. Bon, les amis, je vais me cacher au sous-sol et je regarde sur les caméras de surveillance s'il se passe quelque chose. A tout de suite. Les amis, on va se mettre dans le sous-sol. Là, j'ai fermé toutes les pièces à clé. J'ai toujours pas retrouvé Lily Rose. C'est incroyable. Je sais pas où elle est passée. Je pense qu'elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée. Là, ça va, je suis avec Valentin. Et on va regarder ce qu'il y a sur le téléphone. Mais on n'arrête pas d'entendre gratter dans la chambre de Lily Rose. Hop. Voilà, on va s'installer là. C'est pas possible. Ah ! Regarde, elle bouge ! Non. Elle bouge ! Oh, c'est pas possible. Oh, non, mais là, en plus, elle est en train de bouger dans la chambre. C'est pas possible. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à y croire, regarde. Elle bouge partout. Oh là là, elle se déplace toute seule. Ah, j'ai eu peur. Elle se met devant la caméra comme ça. Elle a compris qu'on était en train de l'observer. Bon, je sais pas quoi faire là. Les amis. Non mais elle est en train de bouger dans la chambre là. Elle a disparu. On a encore frappé à la porte. Elle a disparu de la chambre. Elle a disparu de la chambre. Comment ça, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte? Oui, j'y suis allé, mais il y a personne. Mais j'espère que c'est l'homme en blanc qui vient récupérer sa poupée, parce que mais moi j'en veux vraiment derrière pas. La porte. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de retrouver Lily Rose. Bah là, je sais pas, elle a disparu du champ de la caméra. Elle arrêtait pas de bouger dans la chambre de Lily Rose là. Bon, en tout cas, on va se cacher dans cette pièce. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là. Non, vite, vite. Tout le monde s'enfuit de cette maison. Tout le monde s'enfuit de cette maison.